Bonjour, cette année sur l'Open World Forum, on a travaillé sur deux sujets particulièrement avec mes co-track leaders. C'est un sujet autour du cloud, dans lequel on va parler notamment de la façon dont on orchestre et de la façon dont on déploie concrètement un cloud aujourd'hui et quels sont les outils libres qui existent pour permettre de déployer un cloud. Sans oublier pour autant toute la partie éthique, la partie sociétale autour du cloud, avec notamment l'introduction du track par John Sullivan, qui est le directeur exécutif de la Free Software Foundation, qui va nous rappeler en fait toutes les dimensions du cloud en dehors des dimensions purement économiques ou purement entrepreneuriales. Ça, c'est la première partie avec le jeudi une keynote globalement sur les outils libres en matière d'orchestration et le vendredi matin toute une série de confs avec des intervenants prestigieux comme le créateur de Xen, comme différents leaders de la communauté OpenStack qui viendront parler. Ça sera un sujet très intéressant. Et dans un deuxième temps, en parallèle, on va travailler sur un sujet qui sera l'éducation, la formation et l'emploi et le rôle du numérique en fait face à la crise économique, le rôle du numérique et du digital et du logiciel libre en matière d'emploi et de formation. On va parler des MOOC, on va parler du Web 2.0, on va parler de toutes les nouvelles formes d'apprentissage. On va aussi parler de l'enseignement de l'informatique dans l'école et le rôle de la science, de l'informatique en tant que science. Et plus globalement, on va parler des nouvelles écoles et des nouveaux projets qui émergent pour former très rapidement des gens. Donc on aura l'école 42 qui va venir témoigner, on aura des représentants du MOOC, de grandes écoles. Bref, un panel très très large. Et dans tous ces sujets, on voit qu'encore une fois, le logiciel libre est leader sur beaucoup de domaines et est capable de faire émerger de nombreuses idées. Donc j'espère vous avoir nombreux lors de l'Open World Forum pour traiter de ces deux sujets et tous les autres, bien entendu.